Bonjour les amis, c'est Virginie. I'm so happy to be back here with you and hopefully you are too. I'm here today for something a little different. I'm going to share with you my new podcast in clear French, and slightly slower than normal conversation speed so you can easily understand me. I've been in the process of launching French podcast, which you can find on my blog frenchtruly.com/blog. And when I asked you via my weekly newsletter what you would like my next topic to be about, most of you said, please describe your quarantine life in Paris. To which I'm adding a how to stay balanced and positive twist. My goal is not to undermine both the humanitarian and economic depressing impact of the coronavirus. Believe me, I have my share. But my way to deal with it is to remain productive, creative, et oui, positive. So here it is. Now you can pause this video if you want to go grab a cup of coffee, a tea, a verre de vin, a coupe de champagne, so you can peacefully listen to me for the next 20 minutes or so. I hope you like it, and please leave your comments about the story and also let me know what other topics you would love for me to talk about in my next podcasts one last thing you'll see some of my pictures and videos of deserted paris in this video and if you want to see more come join me on my brand new instagram account virginie french Rully, where you can follow me and paris on a daily basis that's it enjoy and i'll see you in the comments Au revoir. Le monde entier est à l'arrêt. C'est une expérience inédite. Voir les photos et les vidéos des grandes métropoles de notre planète complètement désertées me fascine. C'est une vision d'une beauté unique une sorte d'œuvre d'art. Mon retour à Paris en provenance de Seattle, où je venais de passer trois semaines, s'est presque déroulé de manière tout à fait banale. Je dis presque parce que je ne pouvais pas ignorer d'abord le fait que je quittais les États Unis avec onze jours d'avance, puis L'atmosphère lourde générée par un silence ambiant, la majorité des magasins fermés dans les aéroports, les masques qui me donnent une impression d'étouffement, le fait que personne ne puisse s'approcher de personne d'autre, les regards de travers dès que quelqu'un tousse, <coughs> éternue, tchou! Renifle même légèrement. Oui, c'est ça. L'atmosphère est lourde, lourde et étrange. Une fois atterri à Paris et mon énorme valise récupérée, je me dirige vers le RER qui me mènera à la gare du Nord. Dire que l'aéroport est vide serait une exagération. Mais j'ai réussi tout de même, sans trop de difficultés, à prendre des photos sans personne. Je remarque au passage un grand nombre de vols annulés. Mais je suis là, je suis arrivé, je suis à la maison. Enfin, presque. Il me faut encore prendre le RER puis le métro. Habituellement. J'ai beaucoup de mal à supporter les foules. Je suis toujours pressé. Je marche très vite. Les gens sont toujours trop lents à mon goût et ça m'énerve, ça me frustre, ça m'agace. Le moins qu'on puisse dire c'est que je ne trouve ce problème ni à la gare du Nord, ni au métro République. Le calme, le vide, le silence me prennent par surprise, même si je m'y attendais. Une situation tellement surréelle qu'elle me fait rire un rire nerveux. Je ris toujours dans les moments pas drôles du tout, c'est les nerfs. Mais le choc le plus grandiose m'attend à la sortie de métro. Déjà, il n'y a personne, juste moi et ma valise. Et pour la station république qui regroupe cinq lignes, c'est juste incroyable. J'ai l'impression d'être l'héroïne d'un film de science-fiction. Et puis, je m'arrête en bas des escaliers. À ce moment-là, je suis encore sous terre. Je n'ai pas encore vu Paris. Je marque une pause pour me préparer au spectacle d'une Paris telle que je ne l'ai jamais vue avant. Depuis ma perspective, en bas des escaliers qui me mèneront place de la République, je vois le ciel blanc et quelques branches d'arbres. Mais surtout Surtout, j'entends le silence, un silence de fin de monde, et je sens mon cœur palpiter. Je recommence à rire, ce même rire nerveux. Je comprends que je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et je me sens bizarrement exaltée. Ajoutons à cela la fatigue du voyage je n'ai pas dormi depuis deux jours. Comme pour insister sur la gravité du moment, le poids de mon énorme valise, que je tire et que je traîne difficilement une marche à la fois, me force à monter les escaliers très lentement. Finalement j'atteins le sommet complètement essoufflé, et en voyant cette immense place normalement grouillante de monde et de bruit, aujourd'hui totalement nue, sans même une personne, je ne sais plus si je manque d'oxygène à cause du poids de ma valise ou du poids du silence tout autour de moi. Wow. Je tourne la tête. Je veux tout voir tout enregistré dans ma mémoire. Je tourne et je tourne encore comme hypnotisé par cette beauté angoissante. Mon amour du tragique est servi. Finalement, je me décide à bouger. Les roulettes de ma valise résonnent. Il me semble que le tout Paris peut les entendre. Après quelques minutes, me voici devant ma porte et je me sens tellement bouleversée que j'ai oublié les deux codes. Le code qui ouvre la première porte et celui qui ouvre la deuxième. Après plusieurs tentatives et grâce à ma mémoire kinesthésique, me voici à l'intérieur devant l'ascenseur. J'ai hâte de voir mon appartement. Mais surtout, j'ai hâte de voir mon lit. En plus du manque de sommeil et du décalage horaire, je dois enseigner mon week-end immersion de 17h à 1h du matin. Si ces horaires vous semblent bizarres, eh bien, vous avez raison. En fait, le week-end immersion était censé se dérouler à Seattle en personne. De 9 heures du matin à 18 heures, ce qui, en ligne et à Paris, correspond à de nouveaux horaires de 17 heures à une heure du matin. Dieu merci, je dispose de six heures pour dormir, ce qui m'enchante totalement. Mmh, mon bon lit bien chaud, bien doux, bien confortable. Ah Le bonheur. Six heures plus tard, je me réveille, je fais du thé, je prends une douche, j'allume mon ordinateur et c'est parti. Les étudiantes sont adorables et motivées. Je ne vois à peine passer les neuf heures. Pareil pour le lendemain. C'est seulement après ce week-end passé sur mon ordinateur que ma nouvelle vie de quarantaine à Paris peut commencer. À quoi ressemble la quarantaine à Paris? Comment les Parisiens vivent ils cette quarantaine? Qu'est ce qui a changé? Y a t-il des aspects plaisants à cette quarantaine? Vous avez peut-être remarqué que le titre de ce podcast est positif. Je n'ai pas envie de vous déprimer, de vous rendre triste. En fait, je n'ai pas envie d'être déprimée ou triste moi-même. Donc, chaque jour, je décide de ne pas me concentrer sur toutes les conséquences négatives du coronavirus, qu'elles soient humanitaires ou économiques. Je sais ce qui se passe. Je fais ce qu'il faut pour me protéger et pour protéger les autres en même temps. Je fais attention et après je passe à autre chose. J'ignore le négatif, tout le négatif. Je me concentre sur le positif, tout le positif. Même les toutes petites choses qui pourraient sembler insignifiantes. Comme le pigeon, qui vient me dire bonjour sur mon balcon, un pigeon très poli, ou le ciel bleu que nous pouvons admirer à travers les fenêtres, ou les oiseaux que je peux désormais entendre chanter. Je vous assure qu'habituellement, dans un quartier débordant de vie comme le marais, on n'entend pas les oiseaux. Et puis il y a un autre point positif, tout à fait subjectif. Je discutais de fenêtre à fenêtre avec mon voisin Paul samedi dernier et pendant cette conversation, il m'a dit qu'il profitait du confinement pour créer de la musique ainsi que des textes pour l'accompagner. Paul fait partie de ces gens qui ne peuvent pas télétravailler ou travailler à distance car il est acteur de théâtre. Il a ensuite dit qu'il trouvait les rues vides de Paris très, très, très tristes. Voilà qui me ramène à mon autre point positif subjectif. Je ne trouve pas les rues vides de Paris tristes. Je les trouve belles, paisibles, calmes, magiques, mystérieuses, fascinantes captivante bref je les aime elles me plaisent elles m'apaisent et de temps en temps je profite du document officiel qui nous donne l'autorisation de sortir à condition de pouvoir cocher une des sept options voici quelques exemples parmi ces sept options il y a l'assistance aux personnes vulnérables, les consultations et soins des patients souffrant d'une maladie de longue durée, et puis il y a les deux options que j'utilise, faire les courses pour acheter à manger et pratiquer une activité physique individuelle. Ces deux dernières conditions devant se limiter à une heure par jour dans un rayon d'un kilomètre de votre domicile. Pour l'instant, je suis allée courir seulement deux fois, le reste de mon activité physique consistant à danser dans mon salon. Ah oui, ça me fait penser à un autre point positif. Mes voisins qui habitent à l'étage en dessous de chez moi, je suis au cinquième étage, ils sont au quatrième étage, ces voisins ont quitté Paris. Je peux donc danser sans faire trop attention à ne pas faire de bruit. Mais je digresse, revenons-en aux sorties autorisées par le gouvernement français. À cause du confinement, je sors très peu, pas longtemps et pas loin. Mais quand je sors, j'essaie d'être la plus efficace et la plus productive possible en prenant beaucoup de photos et en faisant beaucoup de vidéos courtes pour pouvoir les partager avec vous. J'aimerais tant pouvoir vous montrer la scène les Champs-Élysées, Montmartre, les Tuileries, l'Arc de Triomphe, j'aimerais tellement les voir aussi mais je n'ai pas le droit. Rappelez vous, je dois rester à un kilomètre de chez moi, et un kilomètre, c'est malheureusement très vite parcouru. C'est dommage, mais je reste tout de même en mesure de partager avec vous de nombreuses rues comme la rue de Turenne, la rue de Bretagne, la rue de Turbigo, la rue Montorgueil, etc. Je peux aussi vous montrer des grands boulevards, comme le boulevard du Temple, le boulevard Voltaire, le boulevard Saint Martin, le boulevard de Sébastopol, l'avenue de la République, et puis l'immense place de la République au fait connaissez-vous la différence entre un boulevard et une avenue le boulevard vient du néerlandais boulevard qui signifie rempart un grand mur protecteur autour d'une ville à l'origine un boulevard désigne un poste fortifié à paris ces fortifications ont été détruites par le roi Louis XIV au XVIIe siècle, puis transformées en voie de passage. Mais le nom est resté. Le mot avenue vient du français ancien avenir qui signifiait arriver. Une avenue désigne donc une voie par laquelle on arrive quelque part. L'avenue de la République arrive en effet à la place de la République. Ma petite explication est terminée, je referme ma parenthèse et je reviens aux aspects positifs liés au confinement parisien. J'avoue que les deux ou trois premiers jours je me suis légèrement laissé aller à la tristesse, à l'apathie, voire à la panique. J'étais un peu sous le choc, forcément. Dieu merci, ça n'a pas duré. Je crois que je suis physiquement incapable de m'apitoyer sur mon sort trop longtemps. Vous connaissez l'expression marche ou crève? C'est une expression empruntée au langage militaire qui me correspond assez bien. Donc, après mes quelques jours de déprime à déambuler dans mon pyjama, j'ai réalisé que si je voulais m'en sortir, il fallait être encore plus productive que d'habitude. Mais aussi plus créative, plus inspirée, plus ouverte et oui, plus positive. Depuis, c'est ce que je fais. Et j'avoue que le fait qu'il y ait zéro distraction extérieure aide grandement à être à la fois concentré et efficace, n'est-ce pas? J'en profite même pour me lancer dans de nouvelles expériences. Les salles de sport sont fermées, donc je vais courir, chose que je n'avais jamais fait avant. Il y a un mois, courir dans Paris ne m'attirait absolument pas. Le bruit, la pollution, les voitures, les scooters, les vélos, les trottoirs bondés, quelle horreur Aujourd'hui, je peux courir en plein milieu de la rue et je trouve ça tellement exaltant que je ne peux pas m'empêcher de sourire pendant toute la durée de ma course. De plus, je peux respirer à fond sans visualiser un cancer envahir mes poumons. Quant à mon autre nouvelle expérience, j'ai finalement commencé d'écrire mon livre et pour tout vous dire, j'en suis au chapitre 5. Quoi qu'il arrive, que je trouve mon travail bon ou complètement nul, je continue, je n'arrête pas, j'écris. J'ai écrit plusieurs nouvelles, mais jamais un roman. Si je veux être écrivain, il faudra bien que je l'écrive, ce premier roman et que j'arrête de me trouver des excuses pour ne pas le faire. Quoi d'autre, quoi d'autre Quelles sont les autres petites routines positives nées du confinement Puisqu'on est bloqué à la maison, il faut faire en sorte qu'elle soit aussi jolie et agréable à vivre que possible. Mon appartement est donc constamment impeccable. Et puis, pour ajouter une petite touche de créativité, j'ai réorganisé la bibliothèque, vachement plus jolie maintenant, redécoré les deux cheminées, la cheminée du salon et la cheminée de la cuisine, et j'ai transformé la grande table de la cuisine en immense bureau philosophique sur lequel j'entasse les livres, les cahiers, les notes, les feuilles, les stylos, les surligneurs, les crayons à papier, ma gomme et mon taille-crayon. Le grand bazar intellectuel, mon style de décoration préféré. Et quand il fait beau, ce qui est le cas en ce moment, je peux même prendre mon thé sur le balcon. Je peux même me faire bronzer alors que jusqu'à présent je n'ai prêté aucune attention à ce pauvre petit balcon qui devait se sentir bien délaissé. Depuis mon balcon, je peux désormais écouter le silence parisien. Silence interrompu une fois par jour, tous les jours, à vingt heures, par des applaudissements, des cris, des chants, des Parisiens qui se réunissent pour remercier les médecins, les infirmiers et tout le personnel soignant. Et ça aussi, je trouve ça beau. Moi aussi, je vais applaudir sur mon balcon à 20h et ce drôle de concert quotidien me donne les larmes aux yeux à chaque fois. Les humains sont aussi doués pour créer la laideur que pour créer la beauté. Voilà. Vous savez maintenant à quoi ressemble la vie d'une Parisienne confinée.